Bonjour, bonjour, ici Yakipon pour le stream Ivasan Studio sur South Park. Parce que nous l'avons toujours pas terminé. Les gens se maravent la gueule, on trouve ça assez sympa. Alors, on sait pas vers quoi on va, mais on y va. Et puis bonsoir, comment ça va? C'est pas Radio Nova, mais bon, on peut faire. Recette de l'œuf de la vie éternelle. J'aime bien les nouvelles recettes, moi. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur? C'est trop bizarre. Bon. Non, 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 on a tout fait, donc c'est pas très grave. On va voir nos artefacts, vite fait. Parce qu'on va voir quand même ce que ça donne. S'il faut, c'est vachement cool. Alors, l'œuf, il fait quoi? Il fait de la merde. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc, comment ça va depuis la semaine dernière, vous, hein? Oh là, il y a un renne écrasé, genre, vraiment... Et le retour de la vieille qui court, la fameuse. On l'aime beaucoup. C'est dégueulasse. Allez, on y va, vite. Ok, c'est bon, on n'a pas de combat à faire contre les femmes enceintes. Du moins pour l'instant. We need a doctor to look at our friend's asshole. Let me guess, he's got a big crack down the middle. Ha ha. No! Please, you have to listen. None of this is supposed to happen. The mayor has to be stopped. We know how to do it. The mayor? That scumbag made the town the shithole it is today. We can put a stop to it, please. Just look at our friend's ass. Le mec boit du vin rouge en t'auscultant le cul, tout va bien. Ok. Ça a fonctionné ou... Oh merde! On est revenu un peu loin. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps you relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Mais... Retrouve-toi. Ok, je vais me retrouver. Attends, mais... Je peux relooter partout? C'est bizarre. Coloration flashy sale. Ok, c'est tellement gratuit. Bon. Reviens! Puis pourquoi il est plus pâle que moi? Enfin, il est bizarre en fait. Oh putain, c'est trop bien. Est-ce qu'on va se battre contre les gens? Ah ouais, va falloir se battre contre nous-mêmes. C'est génial! C'est trop cool. Oh, j'aime beaucoup. 3000 points de vie, génial. Ah putain de merde.
Ah, ça y est, le jeu est là. Putain, j'ai cru que... ouais, on va essayer d'esquiver l'attaque. Mais si je suis capable de faire ça, peut-être que l'autre aussi. Ah non. Ok, on va se mettre juste là. Parce qu'on va essayer d'esquiver ces AOE. Vu que je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je peux le glacer? Ce serait très cool en vrai. Ouais, ça a l'air d'être... on va dire efficace. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Backlight de guerrier. Oui, bah, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais... Arrêtez de faire chier! C'est quoi ce... truc? Bon. Est-ce qu'on peut le séduire? Oui, très bien. J'ai envie de dire impeccable. Bon, il tape dessus, génial. Ils sont tous bien. On va de suite poser une tourelle là. Ah, elle attaque sur toute une ligne. C'est bon à savoir. Oh, les dégâts qu'il pose, lui. Salaud. Bim, ça c'est fait. Non. Ah, un bug mortel. Succès. Bah, très bien. Tous les jours. Orgy of Power, d'accord. Orgy de pouvoir, deuxième succès. Bah tout va bien. Notre soirée est bien faite. Lance-roquette. Piou. On va le refaire. Encore le refaire ou ça va? Non, faut pas abuser apparemment. D'accord, j'ai peur. This is a job for the king's cutting rogue. You're not gonna last long fighting all of us yourself, Pat. So I wouldn't be so foolish, stupid Craig. Uchin no jutsu. Ok. Un Bushin no jutsu.
Bat Craig le voleur. Bon, on va essayer. Ce qui est bien, c'est que moi, je vais pouvoir tous le repousser. Ah, j'ai raté. Mais pourquoi? Merde, j'aurais dû soigner, mais quel idiot. Il soigne. Ouais, c'est bon. Je vais arriver à faire un truc correct ce soir ou... Le mec il s'insulte gratuit quoi. Ok, ça c'est fait. Kyle, il est relou. Kyle, le grand elfe juif. Non! On va faire un ulti. Là qu'on l'a dispo. En train de tout se geler les burnes. Allez, on est parti. Oh, il va prendre trop cher. Oh, le repoussement. Ouh. Fun Destroyer. Putain, le pauvre, il reste 13 points de vie, ça me fait de la peine. Il est déjà mort, quoi. Oh, pas Butters. Non. Putain, le combat est long. C'est non. On ne veut pas que ça nous arrive. Ok, par contre, on va prendre possession de plusieurs d'entre eux. Parce que là, on risque d'en avoir besoin. Mais pourquoi il fait ça alors que il avait nous?
Parce que les autres, ils vont nous déchirer la gueule. Ouais, voilà. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Oh putain! Holy shit, on va prendre trop cher! Bon, j'ai un ultime prêt, mais bon, c'est chiant quoi. Bon, déjà, on peut éclater Craig. Est-ce que tout va bien, Mysterion? Bah non, ça va pas. Le shield de Clyde, c'est ultra chiant. Oh putain de merde. Et on peut pas se déplacer. Enfin, on peut, mais c'est chiant, quoi. On va soigner les gens, hein. Parce que j'ai pas trop le choix. Micro-agression. T'avais qu'à fermer ta gueule, Butters. Ça, c'est pas cool. Ouf. Non, Kenny. Bon, on le sait tous, Kenny est mort. Ça peut être cool, hein. Surtout que nous, on va faire ça. Voilà. Oh non, 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 non. Pas cool du tout. On va faire le moustique parce que là c'est la PLS. Et qu'il a une plus grosse force de... Une plus grosse AOE de frappe, on va dire. Donc déjà, ça peut calmer Craig et ses doubles de merde, voilà. Ça sera moins chiant. Oh putain. C'est la merde. C'est vraiment la merde, là. Putain. Ah, qu'est-ce que le combat est long et chiant. On va essayer de se sauver. Ah oui, il y en a un de glace. Oh oui. Genre tous les jours. Toi, tu joues pas parce que t'es tellement dangereux. Par contre, si on peut choper... Si on peut choper... Oh merde, il va pas lui rester beaucoup de vie. En fait, personne, quoi. Je pensais pas que c'était possible, ça. De pouvoir s'auto-ensorceler, on va dire. Parce que vu les dégâts qui collent, c'est, je dis pas non. C'est lequel qui vole de la vie, de sort? J'ai oublié. Écoute, les ennemis gagnent attaque boostée. Non, il me faut vraiment voler de la vie, là. Ok. Pas mal. Ah putain! Non, fais pas ça. Parce que ça peut me tuer en fait. Ça peut bousiller tout ce que j'ai entrepris. Oh merde.
Désolé, Craig. Par contre, on peut faire ça. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Le yaoi. C'est juste génial. Let's fighting love. Non, putain. Fais chier. Enculé. Eh ben on est aussi fort que dans le passé. Dès qu'on peut, par contre, va falloir ce heal là parce que ça va être une catastrophe. Aïe 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 aïe. C'est un peu la PLS. Faut l'empêcher de jouer lui. Genre vraiment quoi. Sinon il me fracasse la gueule. Ensuite, il faut qu'on tape les deux. Ensuite, Mysterion, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi ça? Terrifier, embrouille un adversaire. Ouais, mais ça va pas le... Ça va pas l'empêcher de me frapper, en fait. C'est ça qui me... Est-ce que je peux utiliser un objet? Je ne peux pas parce que je suis... Bon, mais en fait, j'ai que ça à faire, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il va faire, mais ça sent mauvais. Oh, ben, je suis mort. Va falloir tout refaire, putain. Ah, je suis dépité. La PLS. Allez, quand tu veux. Ça me fait un peu chier de tout refaire. Même si le combat est très bien, mais... Merde, je peux même pas attaquer. Même si je me mets là. Bah, tu vas rester en arrière. De toute façon, il va pas attaquer ici. Si, il attaque, mais non! Je me souvenais pas qu'on faisait ce genre de choses dans le premier jeu. Je vais utiliser ça maintenant en fait. Voilà. Bon.
Ouais, ouais, ferme-la. C'est n'importe quoi. C'est vrai que j'ai un spray pour heal. Ce qui peut être sympa en vrai. On va garder notre ulti pour Kyle. Parce que Kyle il va cogner fort. Oh non 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 non. Tant pis. Faut pas qu'il meure. Personne ne doit mourir. Dit-il alors qu'il prend la bite. Ok, Clyde c'est fait. Ah putain, c'est vrai qu'il y a lui avant. C'est chiant. Go butol. Alors attends, si je fais ça, il y en a un qui meurt au moins. C'est déjà pas mal. Enfin, il y en a deux qui meurent, mais. Ok, ils sont tous morts. Pratique. Ensuite, je fais ça. Ensuite, on va heal. Parce que le heal, c'est la vie. Littéralement, hein, le heal, c'est la vie. ouais, on va essayer de taper quand même. Ensuite, est-ce que ça, ça repousse? Oui, très bien. Paf! Allez, pratique. En fait, je vais peut-être garder mon ulti jusqu'à la phase d'après, parce que ça risque d'être le bordel. Quelle saloperie, c'te Windy. Oh, je peux pas l'éviter. Fais chier. You
Ah merde. Bon, en fait, les deux vont me tuer. Putain. Bah, j'utiliserai le tour du Mysterion. Ah, tant pis. Bon, va chier. Bah non, on va utiliser le tour de Kyle. Alors, c'est quoi? Ah oui, Ranim. Hop. J'ai pas de vie, mais c'est pas grave. Je peux taper deux fois. En fait, Wendy peut le tuer. Elle pourrait... Ouais, mais... C'est la suite, en fait. C'est est-ce que... Ouais, c'est la suite qui me fait peur, en vrai. C'est est-ce que mon perso va mourir de suite? En mode... Non. Ok, et c'est là où c'est la PLS. Ouais, voilà, c'est là où c'est la PLS. Putain. Mais pourquoi? Putain, fais chier. Bon, parce que lui, il va faire un Kage Bunshin à la con, là. Oh, il y a tellement d'ennemis. Il faut qu'avec... Ouais, il faut qu'avec lui, on fasse... Ah, je peux pas atteindre l'autre. Tant pis, on va faire ça. Voilà. J'ai ma petite idée derrière la tête. Ça, c'est pas trop grave, on va dire. Alors, avec Mysterion, on va ressusciter. On va prendre un meilleur parce que c'était de la merde celui-là. Voilà, on va mettre celui-là. Voilà. Et alors, j'ai une autre idée. C'est qu'on a d'autres items qui peuvent être vachement bien. Alors, soit Moïse... Ouais, non, on va prendre le Pissa. Ça va faire des dégâts à tout le monde. Et l'autre, ça fait quoi? Ah, mais non, ça, c'est moi qui joue. Non, faut que ça soit Twig qui fasse ça. Attends, attends, attends. Oh là, j'ai failli faire une connerie. J'avais pas vu que c'était notre tour, donc dans ce cas-là, on va soigner nos potes. Sauf Twig. Bon, c'est pas grave. Parce que Craig risque de tuer l'autre Craig. Ok, d'accord, il fait un shield. Merde. Fais chier. Et Fonter Twig, il va utiliser un item. Et Classy, c'est quoi qu'elle fait? Elle roule pas sur tout le monde, je crois. C'est ça qui fait chier. Je crois qu'elle en avait martyrisé qu'un la dernière fois. Bon bah ça sera flacon de pissa et puis... Tant pis quoi. Je veux que ça aille plus loin. Je peux pas? Putain merde. Je veux au moins toucher... 1, 2, 3... Voilà. Allez, c'est pas grave. Hein. Ça, on va utiliser nos items un peu parce que là, c'est un peu la merde. Ah,
I'm really more of a healer than a fatter phallus, though I can do both. Allez, la microagression gratuite. Paf, ça t'apprendra à dire des conneries. Et celui-là, je peux pas le parer. Et c'est chiant. Est-ce que ça serait bien qu'on utilise Moïse sur ce tour-ci, si on peut? Mais avec qui et comment? C'est ça le problème. Oh là là. Parce que là, ça commence à devenir long et difficile. Parce que Twig risque de mourir. Putain, il va mourir. C'est chiant. Là, c'est chiant. Non, non, ça va pas du tout, là. Putain. Qui c'est qu'on va ressusciter en premier? Ok. Lui, il va invoquer Moïse. Putain, c'est chiant. On en chie un peu, mais bon, c'est... En avant, Moïse. Wouah. C'est le meilleur bruit de Moïse du monde. Wouah. Comme ça, ça c'est fait. Et mon ult est prêt. Et là, ça va barder. Voilà. Là, on se sent un peu mieux, quand même. À part Kyle, qui va nous les briser encore une fois. Ah, c'est vrai qu'il reste Butters aussi à gérer. Bon, celle-là, on va la prendre. Ensuite, putain. Ouais, on va l'approcher. Parce que comme ça au moins... Ah merde, je peux pas... Je peux faire ça. On fait ça. Et là, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que là, on peut en tuer un. Surtout qu'après ils vont tous jouer. Ah, j'ai pas le choix en fait. C'est, je veux pas que Craig me mette trop cher dans la tête. Ok, ce qui est bien c'est qu'il a repoussé comme ça au moins. Ouais, là ça fait chier parce que dans les deux cas. Craig il meurt. Parce qu'il y a Kyle qui va attaquer. Et Kyle il nous emmerde. Ouais, Kyle il nous emmerde. Faut qu'on essaie de le calmer le Kyle. Ça c'est fait. On a un ulti de près, c'est cool. On va ensorceler moi-même. Pour essayer de gagner un tour. Comme ça au moins Butters, ben, il va rien faire. Oh, il va même mourir. Ça c'est cool. Ah merde, je peux pas encore me frapper.
Bon, on va utiliser des burritos, des trucs comme ça, hein. Faut bien que ça serve. J'ai pas envie de... Généralement, je suis pas un mec qui utilise les items en jeu, en fait. C'est ça, le truc. Par contre, il faut que je le glace. Je suis pas un mec qui utilise les items en jeu, en fait. C'est ça, le souci. C'est que j'y pense pas assez. Ok, bah ensuite. Mysterion, faut qu'il baisse sa défense à mort. Et là, on le tue. Enfin, si on peut. Ok, on le tue. Yes! Ça s'est beaucoup mieux passé que tout à l'heure. Très très bien. Superheroes. We know what you're up to, fat ass! Mysterion, but you're with the Freedom Pals! We're all Freedom Pals! We're from the future, you fat turd! No, I'm from the future. I was just coming back to Stick of Truth Times to get you guys. We aren't playing anymore! We know everything! Show us your left hand! My left hand? For what? Show us your fucking left hand! Hello, Freedom Pals. Time travel. Ain't it a bitch? Connor! What the hell are you doing here? Il se passe n'importe quoi. But it looks like some do-gooders traveled back in time to stop me. Cartman, I swear to God, if you don't knock it off, I'm... But that's okay, because I still know something you all don't. What's that? How to make someone fart super bad by hitting them in the solar plexus. Yeah! Connor, no! Go back in time. Time tunnels are weak, weak. No, it's not weak, it's key. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Oh, j'ai eu peur que le jet a encore crashé. Where are we now, Connor? We're in the time that a superhero was born. Recognize this place, new kid? A little child laying awake at night, unable to sleep. Why have you brought us here? Don't you see? This is the night, new kid. Fateful night your dad fucked your mom. You walked to the mirror. Don't do this to him. But don't you see, King? This is what he wanted all along. To fix it. You heard your mother calling for help, so you left your room. Don't go, new kid. You can't change the past. Of course you can. Oh, look. Toi et moi, on se retrouve. Ah, ça fait du bien. Don't you see, new kid? I've given you an opportunity. Which will you do, new kid? Fight the bad guys again? Or fight your younger self, so that you never have to witness what's behind your parents' door? Bad guys? Hey, man, look, we're just followers. What? You're the little kid with the, like a zillion followers, right? We just thought... Well, we thought that if you could add us, then maybe... You know, maybe we could have friends. Because we don't really have followers. Couldn't you please add us? Oh boy, oh boy! Our moment! Our moment is finally here! Wow! It's happening! Okay. We did it, everyone! I'm so happy! Okay. Oh, hey, kiddo! Everything all right?
Go back to bed, honey. Daddy and I are a little busy, okay? You did it! You stopped your dad! You saved your mom, new kid! That's right! And now there's nobody left to stop me! I'm off to another 10-10-10! Connor, no! Who the hell are you? I'm the Coon. This is your kid from the future. Our child from the future? Oh, God. I knew something like this would happen. Our child knows we've been lying and wants some answers. You're right, kiddo. We've been dishonest. But only because we wanted to protect you. The truth is, your mom and I have certain abilities. Powers that normal humans don't have. I discovered mine when I was younger. One day I created a Facebook profile, and within a few hours, I had over 3 million followers. My powers are similar, except they only seem to work on Instagram. I got 4 million followers as soon as I posted my first picture. Of course, powers like that don't go unnoticed for long. Shortly after that, your mother and I were kidnapped by the government, where they had scientists spending months doing experiments on us, trying to figure out how we were able to gain so many followers so fast. That's where your dad and I met and fell in love. Okay. Inside a cold, damp government lab. Yes. By day, they ran experiments. And by night, we made sweet love. My powers combined with your mother's, you received over 10 million followers the minute you were born. Okay. And by the time they cut the umbilical cord, you were already more powerful than all the Kardashians combined. That's why we had to escape. Because we knew the government would use you to do horrible things. And we've been on the run ever since, moving from city to city, always trying to stay one step ahead. But everywhere we go, you just can't seem to stop gaining followers. Sometimes they even break into our house and use our toilet just to be close to you. That's why we've been putting special medicine in your dinner, sweetie, to try to curb your powers. But it didn't work. The side effects of the medicine just gave you really powerful and really smelly farts. We're sorry, kiddo. Oh my God, I feel so relieved to have finally told the truth. Me too, honey. You know, I don't think I need to drink anymore. And I don't need to run from my problems with Pop Brownies. Oh, honey, I feel like our future is going to be totally different now. I believe in us. Oh God, barf. What about you, sweetie? Now that you know the truth, do you think you can believe in yourself, too? Encore parcourir le temps. I got to believe. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais on ira d'accord. We're back in downtown South Park. But where is everybody? More importantly, what period of time have we landed at? All right, let's get this thing started. Look, Butlord. Today is a great day for South Park. This town has sucked for a long time. And finally, Mitch Connor's gonna be sworn in as mayor! It is my honor to introduce Mitch Connor today. A man with some fucking balls! Let's shit around! You did it, Butler! It's inauguration day! We can still stop Connor from becoming mayor! Let's do this! Okay. This way! Eh bien, allons-y. Nous allons peut-être vers la fin du jeu. Oh merde. Well, 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 the plot thickens. That's not funny, Cal. I'm not doing it.
Dude, fuck you. What's the matter, Queen? Hands? Kyle, fucking knock it off. Why are you pissed at him? Because he's fucking making it up, that's why. I'm not making it up, dude. That's your fucking hand, asshole. Stop fucking trolling me. How is he trolling you, Keen? Because he's trying to teach me a lesson about being deceitful. Wait, so you admit you were making it up before? See, this is a troll to get me to admit I was trolling you guys. This is just what I wanted. All the coon friends at each other's throats. Dude, come on, are you doing that? Maybe he is. Which means maybe Cartman was just doing it before. Well, will you admit it, Cartman? C'est débile. What are you doing? Right? I have no fucking idea. Oh, how one little issue of mistrust can rip a team apart. Well, Freedom Pals, who do you attack? Me or the King? Oh, putain! Knock it off, Kyle. Seriously, it's not fucking funny. Dude, I'm not doing it! Bullshit. What's the matter, Coon? You're not happy to see me? Fuck you, Kyle. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? This whole turn of events has boggled even my giant brain. New rule, any damage I take goes to the king. What? Ah, fuck! Status effects too. What the hell? Mitch, stop! This is cruel! No can do, human cat. It's the bees. You son of a bitch! Bon. It's not a charade. This is Mitch's doing. Nicely done, Freedom Pal. Donc faut taper les deux, faut faire quoi? Je comprends pas tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? How about you, Freedom Pal? Which one of us is the real villain? To be honest, I'd be happy hitting either of you assholes right now. Je comprends pas ce que j'ai à faire en vrai, c'est ça le problème. C'est ce qu'il faut d'abord que je bute Cartman pour pouvoir frapper l'autre ou... Quoi ? Oh bordel. Non mais c'est une vanne. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je taperai sur Mitch, dans tous les cas ça rebondit sur Cartman, mais là je comprends plus rien. Mais moi non plus. Qu'est-ce qu'ils font mais... Je comprends plus. Quit pretending you can't control Mitch Connor. You mess with the coon, you get Mitch Connor. Yeah, the fake one, maybe. Oh putain de merde. Je comprends plus rien. Oh merde! Ah là, c'est trop violent. On va essayer de soigner nos alliés quand même, parce que je sais pas sur quoi ça va terminer en fait. C'est ça qui me dérange. Et genre, si je tue Kyle, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Can't defeat the real Mitch Connor. Funny, I was gonna say the same thing. Let's dance, Faker.
Mais putain, mais... Je comprends plus rien. Don't mind me, just a little arterial spray. That was lame, so it didn't count. That causes gross out, actually. Going for blood, guys. Putain, mais... Non mais merde! Ah, ça devient chiant. Bon, ça commence à me saouler, je comprends pas. Non. Alors surtout, tu tues pas mes potes. Juste ça, quoi. Ah. Mais j'essaye, connard! Qu'est-ce que... Wait, what? Wait. Attends, quoi? Non, maintenant je peux les fracasser les deux, c'est bon? Oh, ils font plus chier. On va pouvoir enfin les niquer, quoi. C'est pas trop tôt. Ah, j'aurais bien aimé toucher les deux. Tant pis. Formidable as always, Mysterion. Tamer. Bon, et maintenant... Ah, il s'est barré, donc en fait c'est fini là. Ah, par les entrailles du temps, succès déverrouillé, est-ce que c'est la fin? Oh putain, les casse-couilles, quoi. We'll both admit it at the same time, all right? On three, we'll both say I was just fucking with you. Fine? Fine. Okay, fine. One,
argue with you. Haha, gotcha! Oh, you asshole! And for too long, our town has been led by a dumbass bitch mayor who never did anything to stop crime. And now Mitch Connor's gonna... All right, enough talking. Just make me mayor already. It's Mitch Connor! Go on, hurry, swear me in. All right, to begin the inauguration, Mr. Connor, would you raise your right hand, please? C'est déjà la main droite. I do solemnly swear. I do solemnly swear. Wait, stop! What's going on here? Just finish the ceremony. Everyone, listen! This is all just a plan to get more crime in our town so that the Coon and Friends franchise would be bigger than the Freedom Pals franchise! Cat urine has been put into your drugs and alcohol to raise crime in the city so that the Coon would have more crime to fight. Everything was thought up by this asshole! Mitch Connor rides a fat raccoon! No, don't you get it? He did it all! Kid, show them the selfie you took. Ah putain, c'est génial. Trouve le selfie que tu as pris avec Mitch Connor et son plan. Ah putain, c'est vrai qu'on l'avait pris il y a un bon moment. Oh, on va pas s'amuser à tout lire, quoi. Sauf qu'il est où? Ah, il est là. Now upload it to me and I'll put it on Connor's Instagram for everyone to see. What? Look, Mitch Connor's plan. Hey, they're right. You mean he was putting poison in our wine and cocaine? Why? Yeah, why? I'll tell you, Ray. Because the new kid isn't the only person who had a parent get fucked. Oh, putain. My dad got fucked when I was 9 years old. What? Only two people on this stage know how that feels. Stop with that already. Shh, I want to hear this. My father will be avenged, even if it means everyone else has to die. Mitch? Oh putain, mais non, mais c'est pas possible. What the hell are you doing here? I've been here all along, son. It's not your fault, Mitch. It's my fault. What are you talking about? It was me, Mitch. I'm the one who fucked your dad. You fucked my dad, Mom? Why? I did it for us, son. I wanted a future for you. All these years, hunting for the person that fucked my dad, and it was my own mother? Mitch, try and stay calm. Fuck you, Coon! You may be really cute, but even you can't fix this! Did he look at you, ma'am? Huh? Did he look you in the eye when you snuck up and fucked him? Mitch, it was a long time ago! Not to me! It's every day to me! Forgive her, Mitch! Please tell me you're not buying into this! I'm gonna kill you for what you did! Just kill me, Mitch! Please, you kill me! I don't wanna live! I'll kill you, you kill me! I'll kill you! Well, thank God that guy isn't gonna be mayor. Come on, everybody. Let's go get clean drugs and alcohol from the next town over. Yeah! Et ça finit comme ça. D'accord. Ils ont vraiment pété une durée. Oh putain. Bon, ben voilà. C'est tout. Ok. Mais voilà. On va dire ça comme ça. C'est digne d'un beau South Park, cette fin. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons tous, quoi. Bon. Ah, une scène post-générique. You
You're the tickle bunny. No, you're the tickle bunny. Oh, hey, kiddo. Been out playing with your friends, honey? This is a great town, isn't it? I love it here. I'm so glad that all those years ago we came clean about our child's past. I feel like, I don't know, like our lives are different now somehow. I love you. And I love you. In fact, kiddo, would you excuse us for a moment? Mommy and Daddy have a little business to take care of upstairs. Oh, you little sneak. Okay. Il va ouvrir la porte. Did you really think you could stop bad things from happening? Don't you see that chaos always catches up with you? You've tried being a hero. Why not let your darker side free? There's only one truth in this life, my kid. No matter how hard you try to change the past, your dad will always have fucked your mom. Okay. Eh ben... Tout ça pour une histoire de baise. Maintenant, que va-t-on faire? Bon, on va voir si on peut aller tuer Morgan Freeman maintenant qu'on a fini le jeu. Parce qu'on avait tenté avant, ça s'était pas très très bien passé. Genre pas du tout quoi. Donc on va voir si on peut arriver à faire un truc. Mais avant, on va falloir qu'on se prépare au combat quand même. Parce que la dernière fois, il nous a fait bien bien mal. Et j'ai ma petite idée. C'est moche. Mais je m'en fous. Enfin, déjà, on va attendre la fin de ce générique qui prend pas du tout 8 ans et demi. Parce que bon, c'est toujours pas mal. Eh ben, il y en avait du monde pour la... pour les voix allemandes et espagnoles. Putain. C'est long. C'est long.
Allez. Le générique, je n'ai pas envie de passer. Parce qu'on ne sait jamais. Le temps du générique, ton avis sur le jeu ? Ça suit bien le premier, même si les combats... Je pense que les combats sont un peu plus mous. Mais... on va dire que la dimension plateau de jeu ajoute quand même une belle valeur ajoutée, on va dire. Mais ouais, j'ai du mal avec, avec la lenteur des combats et les bugs qu'on s'est tapé en fait. C'est pas normal qu'on se tape autant de bugs sur un seul jeu. Le système de changer de classe est sympa. Le fait de pouvoir mélanger des sorts de plusieurs classes, c'est ultra cool. Mais ça rend le jeu un peu plus facile, je pense. Parce que, enfin, dès que j'ai débloqué une nouvelle classe, en fait, les sorts étaient complètement pétés. Après, bon, les combats étaient assez équilibrés. Les derniers m'ont fait chier. Les petits animaux de la forêt là, de Noël étaient insupportables. Donc ouais, c'était bizarre. S'il y avait des combats, ils étaient cool. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins équilibrés. Enfin, bon. C'est pas trop grave. Le scénario, bon, ça va. La trame se déroule très bien. Je sais plus combien de temps on a mis pour finir le jeu, mais je pense qu'on a quand même eu un bon nombre d'heures assez conséquent. Non, c'était pas mal. Il y avait 2-3 énigmes. Enfin, 2-3. Il y avait plein d'énigmes, il y avait plein de choses un petit peu à chercher. Non, non, il est bien, il est bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puis c'est South Park au final. Si tu kiffes un minimum South Park et que tu fais le premier, celui-là, en fait, il te semble normal, quoi. Même si je trouve que le premier était un peu plus vivant au niveau des combats. Après, il y avait peut-être moins de choses à faire dans les combats. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est on repop juste là ou c'est une vidéo? Ah non, on repop juste là. Ok. Voyons voir nos costumes, artefacts et tout ça. Donc là, en fait, on peut finir tous les trucs qu'on n'a pas fait, mais bon. Je pense qu'on va aller voir... comment ça s'appelle hein. On va aller voir machin, là. Bidule. J'ai oublié son nom. Et donc, à la place de ça... On va mettre de la glace. Parce que on va essayer de l'empêcher de jouer à chaque tour. Donc on va jouer avec notre perso, Tweak. Et on va essayer de trouver d'autres personnages qui peuvent l'empêcher de jouer en fait. J'avais oublié qu'il y avait des coréens. Après, il y a toujours des choses à faire, hein, mais... Genre, il y a des magasins qu'on a jamais vus. Enfin, il faut acheter toutes les tenues. Donc après, de l'après-jeu, t'en as forcément. Il y a des Member Berries, là, qui... Je sais pas où elles sont, faut que j'aille les chercher. Ben, y a toujours pas mal de choses à faire. Le truc qui me gêne, c'est peut-être l'argent qui va peut-être me déranger. Attendez, on va regarder vite fait... Fiche de perso. Ouais, j'ai encore pas mal de costumes à aller chercher. Battre des ninjas, des agents de police. Il me manque des personnes à follow parce que ben il m'en manque vraiment beaucoup trop. Les Member Berries. Les alliés, tout est fait. Invocation, c'est fait aussi. Et on a un peu inconnu, mais je pense que c'est en faisant Morgan Freeman, parce qu'on a toujours une recette qui n'est... Il nous manque toujours un chocolat. Je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? En allié. Ah oui, on peut regarder nos alliés. Bon, on va les garder les trois là. Qu'est-ce qu'on a à faire sur la carte? Ouais, héros en patrouille. On a South Park à explorer, génial. Sachant que je pense que c'est une quête que l'on pourra jamais terminer, quoi. À moins qu'ils te disent, par exemple, bon, ben, elle est là, mais... Je pense pas que ça soit possible.
Il nous manque un coffre à Yustorit, on sait pas. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller au Canada cette fois-ci. Donc, ouais, on a quand même pas mal de choses à aller chercher. Et à vendre, voir afficher la liste des missions. Ouais, on a vraiment tout fait, quoi. Ouais. C'est du choco qu'il te faut ou un brownie? Je sais pas, c'est un espèce de chocolat. Ah putain! Ah, tu viens de me faire penser à quelque chose, toi. On va chez nous voir si on a accès à la chambre de nos parents pour voir si on peut lui voler du chocolat. C'est pas con, ça. C'est loin d'être bête. Je suis sûr qu'il me manque une ou deux toilettes à aller chercher. Enfin, va falloir que je me tape toutes les maisons du jeu, quoi. Ouais, super, la chambre des parents. Et on a déjà tout pris. Merde. Donc non, je sais pas où il est. Enfin, je vais regarder, attends. Création. En objet de mission. Ouais, il me manque un Souviens-Cito au chocolat, donc je sais pas ce que c'est, on dirait un brownie, ouais. On dirait un brownie, je sais pas trop où aller chercher. Madame Cartman, ah bon? Ah bon? C'est celle-là ou l'autre? J'oublie toujours. Oh non, c'est l'autre. Au revoir. C'est vrai que la mère de Cartman, on l'a pas beaucoup vue dans le jeu. Oh, hello, new kid. Did you lose your crown? Bah ouais. Well, I hope you're having fun playing with the kids on the block. My little Eric loves making new friends, and so do I. Listen, I have new business cards, and I need a little helper to hand them out around town. See, I'm a personal tutor who Oh mon does Dieu. House calls. Try starting at Skeeter's Bar. Help me get some clients, and I will cook you something super yummy. Putain, faut le savoir quand même, hein, que... I can't wait to get to work. Faut le savoir quand même qu'il faut faire ça avec elle, hein. Putain. Eh, hey, y a un coffre là-haut. Ok. Y a rien à faire là, c'est dommage. Bon, bah on va faire cette quête. On va faire cette quête, on va débloquer notre nouveau P. Et avec le nouveau P, on va aller taper sur Morgan Freeman. Donc faut aller au bar. Hey, new kid, where to? Là-bas. On fonce, on court en vol. Catch you later. La 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 pa pa la pa pa la pa. Nous allons au bar. Nous sommes au bar. Ah oui, il y a lui aussi qu'on n'a jamais pu prendre une photo avec. Mais t'y arriveras pas. Bon, c'est pas grave. Pick something already. I got stemware to spit shine. À qui faut parler? C'est peut-être lui. Ah. Adult tutoring. I don't need any. Well, thanks, kid. I suppose we could pose for a pic with our rescuer. Might come in handy for the civil lawsuit. Ok. Ok, Monsieur Black. Hole in one. I guess you're one of the good ones, crime fighter. Let's take a selfie.
Thanks, Vigilante. You stay safe now. What's this? I could use a little refresher course. Toi aussi, t'en veux pas? Ah, si, toi, t'en veux, toi. Parce que tu es nul. I'm thinking geometry. Miss Cartman's working again? Well, well, well. Hey, you're that super stinker in the headlines. Oula, c'est quoi ça? Un pédosabre. $80. Oh là là. On l'achète parce qu'on en a pas, mais après, voilà. Bref. Sure, you gave me a lead on some hot tutoring. Ah, maintenant tu veux, espèce de connard. Bref. Et ensuite, on va où, Madame Cartman? On retourne chez elle? Oui, on retourne chez elle. Bon, on y va. Ah, il y a le City Folk aussi. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Somebody call for a fast pass? Good going, new kid. There you go. Bonjour. Oh, I'm so excited to start working again. Thanks for your help. We'll see how things go later today. I might call on you for help again, little superhero. Ah bon? Ah ouais, le brownie. Oh, hello, sugar. Je vais prendre une photo avec toi. Elle veut pas. Bon, on va crafter notre truc. Ah, gonflé à bloc. D'accord, fiche de perso. Oula, oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le nouveau P, c'est quoi? P temporel d'invocation. En créant un nouveau burrito dont le potentiel de P n'est pas majeur, blablabla, déclenche un P temporel d'invocation pour amener au combat une version de toi du passé. Pendant une durée limitée, ce clone de ton passé se perdra à tes côtés, armé de tes pouvoirs actuels. Waouh, trop cool. Trop trop cool même. Super fort. On va regarder l'artefact. C'est pas ouf. Ah, déblocage de paix temporel. Bon, ben, nous le dit quoi. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir Morgan Freeman. Parce que même si ça m'embête de taper sur Morgan Freeman, il faut qu'on aille taper Morgan Freeman. Ça va être compliqué, mais bon, faut y croire. Freeman, hop. J'espère qu'on va y arriver. There you go. Pousse-toi, Jimmy, s'il te plaît, merci. Bon alors, déjà, ce qu'on va faire, hop, sauvegarder. Et on a quand même fait 20 heures de jeu, c'est pas mal. Putain. Salut. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de faire un truc. You're sure you're ready? Non. Déjà, ça, c'est un non. Ensuite, on va commencer par le... Ah non, la glace, ça fonctionne pas. Par contre, le sang, oui. C'est pas grave. On va essayer d'appliquer le plus d'états possible, hein. End of Morgan Freeman.
No, it is not. Bon, on peut lui mettre tous les états du monde sauf la glace. Dommage. Je me souviens plus s'il fait ultra mal ou pas en fait. Enfin, on va dire relativement. Oh non! Sans déconner, il me les a one shot quoi, enfoiré. Non mais on va jamais y arriver en fait. La musique en plus se lève, putain. On peut lui baisser la défense. Oh mais c'est pas drôle en fait, je peux rien faire. Si je peux pas le glacer en fait c'est juste infaisable. Oh putain, cette vidéo qu'on peut jamais passer, c'est chiant. On les a tous vus. Mais si une one shot, c'est pas drôle quoi. Je peux rien faire contre ça. À part. Pff, ça fait quoi, allez. Ah, ça coupe le tour quand même. D'accord. Oh, cool. On va booster notre attaque. Et surtout, on va baisser la défense de monsieur. Ah mais là il nous one shot tous en fait. Donc c'est complètement con, je sais pas, je comprends pas comment faut faire en fait. Je comprends pas comment on est censé le gérer quoi. Je refais un essai. Parce que si en fait ça coupe son sort, hop. Voilà. Donc lui il va booster tout le monde. Ensuite. Ah ça fait 219, ouais mais il faut le... Faut vraiment qu'on arrive à... Is this the end of Morgan Freeman? À provoquer le saignement en fait. Je peux pas l'empêcher d'attaquer, c'est ça qui est chiant. Je suis obligé d'en perdre un ou deux là en fait. Ouais voilà, c'est complètement con. Enfin, pff, putain. Je comprends pas.
the hell did you think was gonna happen, kid? Je comprends pas ce que je suis censé faire. J'ai beau essayer, je pense que je vais pas y arriver. Off, kid, tormenting taqueria owners. Sorry, Mr. Freeman. Ouais, c'est un peu compliqué. On va créer des trucs de résidus aussi après. C'est incroyable, quoi. Ouais, alors Wondertweak, ça va être Wonder Merde là, sur le coup. Parce que j'aurais beau tout reste tout le monde, ça va être le bordel, quoi. Je comprends pas comment l'arrêter en fait. Genre chaque tour il va me défoncer et basta quoi. Voilà. Super. En fait, ça pourrait fonctionner, mais faudrait qu'à chaque tour je les raise, puis que je les pousse dans un certain sens. Donc c'est pas, enfin c'est bizarre quoi. C'est très bizarre. Même niveau ulti, là, il n'y en a pas un seul qui va me servir à part... à part celui-là. Parce que là, il m'en tue deux. Ah non, je peux faire ça, et je peux invoquer un double. En fait, peut-être que le fait d'avoir un double, ça va peut-être nous aider, petit à petit, j'en sais rien. Genre sans déconner, quel ulti peut nous faire du bien là? Pas grand chose. Ah, par contre on va profiter de ça pour booster l'attaque de tout le monde en fait. Comme ça on se met là, on fait des dégâts, bon on va voir. Si j'arrive à me maintenir sur la même ligne que lui, je suis sûr d'en sauver deux, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien me mettre là, comme ça au moins. S'il choisira entre mon double et Craig. Ah non! Oh, j'ai fait une erreur! Ah là, j'ai fait une grosse connerie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai! J'avais complètement oublié ça.
Oh putain, j'avais oublié ce petit souci. Ce petit souci technique. Mais lui, on peut le congeler. Ouais, mais j'aimerais bien ressusciter chose. Après, j'aurais gardé... On est tous morts. Je pense que là, j'ai signé mon arrêt de mort, en fait. J'ai fait une énorme connerie. Oh, putain! Mais c'est super dur. Je pense que j'ai fait une connerie. Genre là, en fait, on va tous mourir. Super! Merci d'avoir ressuscité Kenny. Et ce qui est con, c'est qu'en fait, j'aurais dû garder mon... Ma truc de séduction, parce que ça aurait été efficace contre les deux, quoi. Enfin, sur le petit, il m'aurait aidé. Putain, j'ai fait une grosse connerie, quoi. J'ai fait une connerie. Je le redirai jamais assez. Putain, j'ai quand même mis pas mal au petit Morgan Freeman. Ah merde! Bon ben, c'est mort. C'est relou. Bon bah je pense que je le ferai en off et je le ferai pour moi quoi parce que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver comme ça et il faut que je prenne mon temps en fait. Là j'essaie de me dépêcher pour faire un truc divertissant. Tant pis. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé ces lives de South Park. Je ne sais pas du tout ce qu'on fera. On va dire la prochaine fois. C'est même plus de l'autopub. C'est vraiment, n'hésitez pas à suivre partout sur les réseaux sociaux parce que ben, pour l'instant on sait pas trop ce qu'on va faire. Donc on vous tiendra au courant évidemment de tout ça. Donc oui, live un peu plus court ce soir parce que bah ben, ouais c'était la fin. Donc on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, à très vite. N'oubliez pas, tenez-vous informés de ce qu'on fait partout. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.